Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle utilisation du lecteur code barre avec GSM. Vous savez que GSM est compatible avec la plupart des lecteurs. Ici, on a un lecteur filaire, mais imaginez qu'il est sans fil. Et la problématique est la suivante. Je suis tout au fond de mon rayon et j'ai besoin de scanner à la fois des entrées et des sorties. Par exemple, je me mets dans la case entrée, je scanne mon entrée, tout va bien. Et tout d'un coup, j'ai besoin de faire une sortie. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais scanner mon code barre magique, lui disant passe en mode sortie, et vous voyez que mon logiciel s'est mis tout seul en mode sortie alors que moi je suis au fond de l'entrepôt. À partir du moment où je suis en mode sortie, où je scanne le code sortie, je suis certain de faire une sortie, et le code barre suivant que je vais rentrer va être en sortie, comme vous voyez indiqué ici avec le petit plus, avec le petit, vous voyez que je suis en sortie avec le petit moins ici. Et si je veux repasser en mode entrée, je scanne le code d'entrée. Mon curseur repasse dans la zone d'entrée et les mouvements suivants seront en entrée. Je veux faire une sortie, je scanne le code sortie et les scans suivants passent en sortie comme indiqué avec le petit moins. Je veux repasser en entrée, je clique sur le code barre entrée, les scans suivants vont passer en entrée comme l'indique le petit plus. Je veux passer en sortie. Ainsi, avec un simple lecteur sans fil radio, ainsi, avec notre lecteur radio, vous pouvez faire du travail intelligent à distance sans investir dans un terminal onéreux. Avec des codes barres en plus spécifiques, vous pouvez imaginer de déclencher n'importe quelle opération. On a bien sûr, vous connaissez, le scan du code client, le scan du code affaires, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à nous consulter pour en savoir plus. Merci et à bientôt.